Et rebonsoir à tous. Épisode 2, on va découvrir notre rôle dès maintenant, dans 3 secondes. Allez, j'espère qu'on aura un bon rôle. Oula. Oh! Je suis le nouveau rôle. Oh alors, attendez, il faut que je le lise. Oh, je suis le nouveau rôle, les amis. Vous avez l'effet faiblesse impermanent. Super. Nous sommes donc Nakime, et vous l'avez bien compris pour ceux qui ont suivi l'épisode 1, ce n'est pas un nouveau rôle. Cependant, il a été énormément amélioré. Et autant vous le dire, Nakime est le rôle le plus puissant pour moi du côté des démons. Laissez-moi vous le présenter. Nakime est la lune supérieure numéro 4, et à ce titre, c'est un démon très puissant. Néanmoins, il a des capacités physiques assez limitées, contrairement aux autres lunes démoniaques. De ce fait, c'est pourquoi j'aurai weakness 1 permanent durant toute la partie. Mais passons maintenant à notre pouvoir. Dès l'annonce des rôles, j'ai reçu un item, l'œil du néant, qui va me permettre une fois par épisode de créer un son pour tous les joueurs dans un rayon de 15 blocs autour de moi. Ce son sera la clé pour atteindre mon château. Un château que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, puisque tout comme moi, vous le découvrirez en temps et en heure. Toutes les personnes qui seront téléportées par ce son resteront à compter de la téléportation pour une durée de 7 minutes dans mon château. Dans celui-ci, j'aurai force 1 et résistance 1 de manière permanente, que ce soit le jour ou la nuit. Et au contraire, les slayers qui se trouvent dans le château écoperont de l'effet weakness 1 de façon permanente. A savoir que les autres démons téléportés ne seront ni favorisés ni désavantagés dans le château. Ils seront dans leur état d'origine. C'est-à-dire que si je décide de téléporter tous les joueurs dans un rayon de 15 blocs autour de moi le jour, les démons auront aussi weakness 1 du coup. Mais contrairement à moi, les slayers seront encore plus désavantagés, puisqu'ils ne pourront ni casser de blocs, ni en poser. Néanmoins, attention, puisque si jamais je venais à mourir dans le château, tous les joueurs présents seront expulsés 10 secondes après ma mort, et ils perdront tous 5 cœurs, de manière non permanente. Mais pour éviter cette mort, je peux très bien utiliser la commande /DSReturn, qui aura pour effet immédiat de téléporter tous les joueurs présents dans la cage de façon aléatoire sur la map. Vous l'avez donc compris, dans ce lieu, je suis le personnage le plus puissant du jeu, slayer et démon confondu, pouvant utiliser ce pouvoir une fois par épisode. Si bien utilisé, je pourrais clairement donner l'avantage aux démons. Et ce n'est pas tout, j'ai encore un autre pouvoir. Puisqu'à partir de 1h30 de jeu, je pourrais téléporter toutes les lunes supérieures, à savoir Kokushibo, Doma, Akaza, Gyoko, Daki et Gyutaro. Et bien évidemment Muzan dans mon château. Durant ces 5 minutes, nous pourrons prendre connaissance de qui est qui. Et alors au fur et à mesure, pouvoir trouver le traître de notre équipe. Puisque je vous le rappelle, Nezuko, la sœur de Tanjiro, fait partie de l'équipe des démons, mais doit gagner avec les slayers. Je pense que vous l'avez maintenant bien compris, Demon Slayer UHC regorge, grâce à tous ses rôles uniques fidèles à l'anime, de nouvelles stratégies de jeu. Et autant vous dire qu'avec ce rôle-ci, une très belle game s'annonce. Je suis trop content. J'espère que je vais vous proposer une belle game. En tout cas, c'est avec un nouveau rôle. Ça risque d'être trop bien si on arrive à bien jouer. En même temps, nouveau rôle, donc personne n'a joué. Moi, c'est la première fois que je le joue. Voilà. voilà, quoi. Genre... Ah putain, c'est chaud. Donc on a là un démon qui est mort, Romain Leroux, qui était du coup apparemment démon simple, apparemment. Ça nous met pas trop bien, je vais pas vous mentir, c'était quand même un allié quoi. Bon bah il nous faut du diamant les amis, il nous faut du diamant. On a passé un petit peu de temps pour savoir, avoir plus d'informations sur notre rôle, hein. C'était un peu obligé vu que c'est quand même un tout nouveau rôle. Donc bon, c'est un peu normal que j'essaye de le comprendre au maximum. J'espère que ça influencera pas trop sur la suite. Surtout au niveau des diamants, etc. à trouver. On entend une nouvelle cave. Je vais juste retourner là-bas. Parce que je vous rappelle qu'on avait fait cuire du fer, de l'or, etc. Donc je vais y aller de ce pas. Hop. 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 Ok, let's go. On peut se faire déjà 5, hein. Ouais. 5 gapples. Ça nous met très bien, ça. Ça nous met très bien. Ok, on entend de plus en plus. J'espère que c'était pas une cave où on était tout à l'heure. Je pense pas, en vrai. Mais ça serait pas impossible. Oh, du diamant. Let's go. Ok, avec ce diamant, normalement, voilà, on en a 5 tout pile. On peut se faire la table. Let's go. Allez, ça part de là. On va voir ce que ça donne d'aller dans celle-ci. Je sais qu'il y a un creeper juste là. Il y a même un Enderman. Ce serait pas mal de le tuer. Ouais, mais il a pas drop, tant pis. Ok, bon. Du coup, maintenant, objectif, trouver un lac de lave pour avoir la redstone, pour avoir l'obsidienne, pardon. Et pourquoi pas se faire la table d'enchant rapidement. Ça serait pas mal. Du diamant, let's go. Let's go. 2 diamants, ok, c'est pas grave, on crache pas dessus. On crache pas dessus, c'est toujours ça. Ok, oh, c'est du diamant, j'allais dire. Ça y ressemble. Ok. Oh, il y en a encore.
Ok, j'ai eu très très peur de le brûler. Mais c'est bon. On peut se faire des bots. On peut déjà se faire des bots. Mais attendez, parce que j'entends encore de la lave et tout. Ok les amis, on a trouvé la cave. Sortez sans par là, mais il n'y a rien d'intéressant. J'ai vu qu'à gauche, là, il y avait une autre belle faille derrière. On va y aller après. Je sais même pas si elle se relie. Peut-être qu'elle se relie carrément. Ouais, c'est vraiment des très belles caves. Je pense qu'on va pouvoir trouver nos derniers diamants. Enfin, nos derniers. Non, il faut quand même beaucoup de diamants encore. Ok, des pommes d'or, ça c'est très très bien. On a quand même le gros point faible, je réalise quand même de ce rôle, c'est qu'on a weakness permanent. Hein, et qu'on est très fort, en gros on sera très fort pendant 7 minutes, c'est-à-dire quand on va TP tout le monde dans notre base là. C'était d'ailleurs ce rôle là qui était bugué dans la version du RR de hier. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça ne le sera pas. De toute façon si vous voyez cet épisode, c'est que ça ne l'est pas. Hein. Voilà, c'est que ça ne l'est pas. Donc tout va bien. Ok, alors... Bon allez, on va faire la table d'enchant. C'est quand même, ça sera toujours ça de fait. Juste avant la fin de l'épisode, il nous reste 3 minutes avant la fin de l'épisode, on va commencer à crafter l'enchant. Et à s'enchant tout simplement dans cet épisode-ci. J'espère qu'il vous aura plu les amis, hein. Je commence déjà à faire l'outro, mais j'espère qu'il vous aura plu parce que c'était vraiment... rien que par rapport au rôle, c'était un énorme épisode. Hein. Les amis, c'est pour une fois que j'ai eu de la chance. Putain, je suis trop heureux. Pour une fois que j'ai de la chance, surtout en RR. Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis heureux. Je suis si heureux. Bon, en tout cas, c'est grave cool. J'espère que je vais vous proposer une belle partie. Ça risque de ne pas être facile. Hein. Il y a des joueurs qui ont fait beaucoup de games hein, dans le mode de jeu. Je pense notamment à Salar. Bon, après, Alex est avec nous, le créateur du mode. Et ça, c'est trop bien. Surtout qu'il a un rôle très, très intéressant. Donc, il va savoir le jouer, je pense. Donc, j'espère juste qu'il va nous proposer du beau jeu. Ok, allez, on se craft la table d'enchant. Je pense qu'on va se faire directement les bots, comme ça c'est fait. Voilà, c'est toujours ça de fait. Et on va commencer à s'enchant. On va aussi faire cuire un peu tout ce qu'on a. Hop. Et c'est la fin de l'épisode dans une minute. On va bientôt se laisser. Est-ce qu'on aura assez... Je crois qu'on n'a même pas encore assez de fer pour se faire une enclume. Il me semble pas. Par contre, on en a assez pour faire un deuxième pantalon. Seul enchant P1. Et reset pour avoir protection. Let's go. On a nos 3 livres protection, c'est impeccable. Et on peut même se faire nos 2 dernières épées pour notre sharpness 3. Et écoutez les amis, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. On termine en s'enchantant les 2 T1. Et je vous dis à dans 2 jours pour le prochain épisode, l'épisode 3. J'espère qu'on aura trouvé d'ici là du diamant. N'hésitez pas à me donner de la force en commentaire pour en trouver. Je vous fais des bisous, merci de suivre cette série. J'espère qu'elle vous plaît. Et je vous dis à dans 2 jours. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Ciao ciao. Bonsoir. Je viens d'arriver. Est-ce que t'as un moral, c'est ça la question. Je te suis à la mort. Hein. On m'a dit que t'étais bizarre, Alex. Ah ouais, c'est qui ça. Ah moi j'ai confiance en personne, frère.